Aujourd'hui, je te parle de Mon copain royaliste, un podcast en un seul épisode de 20 minutes, un podcast d'Arte Radio, et c'est pas le seul d'Arte Radio que je vais te recommander cette année, loin de là. Ils ont une telle qualité d'écriture, de narration, de mix, une telle expertise dans le podcast depuis plus de 20 ans, et ils n'ont pas attendu 2017 pour en faire. Que voilà, je vais t'en recommander plusieurs. Celui-là que je te recommande aujourd'hui, Mon copain royaliste, c'est un bon exemple de ce que ça peut être Arte Radio, c'est-à-dire des histoires comme ça, en one shot, racontées en un épisode ou deux ou trois, des vraies histoires, des témoignages à la première personne, d'histoires rocambolesques, étranges, surprenantes, dérangeantes parfois, voilà, des histoires forcément intéressantes. Comme celle-ci, mon copain Corentin est royaliste, militaire et d'extrême droite. On n'a rien en commun sauf nos souvenirs de bringue. Il me raconte sa foi, ses opinions politiques, son engagement dans l'armée sur les traces d'un père dont la figure brutale le hante. De l'amour du roi à celui des drogues, de la foi chrétienne à une virée dans un bordel de Djibouti, confession d'un jeune homme pas si catholique. Donc allez-y, c'est hyper captivant. Mon copain royaliste sur Arte Radio et je vous dis à demain. Après être allé visiter les locaux du FN, Arnaud et Alex ont commencé à me parler de l'action française. Action ! Français ! Action ! Français ! Action ! Et arrivé là-dedans, mais j'ai croisé de tout le monde, des impérialistes, des royalistes, des orléanistes, des légitimistes, de tout.